Et salut tout le monde, c'est Mastix, comment allez-vous? Et bien écoutez, moi je vais bien, et aujourd'hui on se retrouve dans le couloir interdit pour continuer notre aventure sur Harry Potter. Oh, une nouvelle carte! On n'a pas regardé la dernière fois qui était la personne de la carte. Alors on va regarder. Oh, mais on a tout finalement! Nous en avons plus qu'une. Qu'on avait eu, ça c'était Rowena Serdaigle, d'accord. Là, on a eu Rodrick Plumpton, attrapeur de l'équipe d'Angleterre, de Quidditch. 3 secondes et demie pour attraper le Divitor, c'est très peu. Par ici, Harry. Je me doute, il y a des cache-pains. Vérifie à droite à gauche s'il n'y a rien et. Bon, il n'y a rien. Je crois que c'est de là que provenaient les grognements. Tu entends ça? Je crois qu'on ferait mieux de pas entrer là-dedans. Mais nous devons arrêter Rogue. Vas-y, Harry. On est juste derrière toi. Allez. On devrait voir Touffu. Merde. Ok, il faut faire gaffe. Ok, lui il dort. Mais merde! Ils abusent à se réveiller. C'est très chiant à faire. Comment ça peut remonter aussi vite en fait? C'est trop chiant, c'est trop chiant. Oh, c'est trop chiant. Allez. Vas-y, mais il se réveille tout le temps, c'est casse-couille.
Ok, bon. Ça va m'énerver, je le sens. Ok. Merde, voilà. Mais putain, mais par contre, c'est pas normal, hein. C'est super chiant. Oui, là c'est bon. Vite! Oh non! Si, c'est bon. Good. Tu veux passer la première, Hermione? Non, merci. D'accord, à tout de suite, j'espère. Mais courageux. Ok. Arrive au filet du diable. Je connais cette plante, c'est un filet du diable. La prochaine fois, promis, j'écouterai en cours de botanique. Malédiction! C'est un filet du diable! Essaie de rester à bonne distance de ces tentacules. Ok. Il faut faire des incendios partout, quoi, tout le temps. En évitant qu'ils nous touchent, en fait. Ouais, faut éviter de se faire choper. Allez, sur Rod, là. Encore. Ouais. Encore un. C'est bon. Merci Harry. Avec plaisir. Et donc là, la fameuse épreuve des clés. Je crois que ton talent en Quidditch va nous servir. Debout. Bonne chance, Harry. Alors, ok, je vais prendre les flèches du clavier. Allez. Ah, c'est plus dur que le vif d'or, hein. Dire que le vif d'or, c'est pas facile, alors là. Faut mal les autres clés. Ah,
Merde. Allez. Vas-y, va redescendre. Allez. Ah putain, allez. Voilà. Yes. J'aimerais bien avoir un petit peu de choco-grenouille. J'espère qu'il y a des grenouilles sur la route. Je peux pas rester comme ça. Hein. J'ai plus de vie. Pour affronter. Oh là là, mon Dieu. Ok, donne-moi une grenouille par contre. J'ai un point de sauvegarde par contre, ça c'est bien. Mais Ron, ça va? J'ai vaincu la plupart des pièces, mais je suis blessé. Il faut me sacrifier. Tout repose sur toi, Harry. Oui. Tu dois être très prudent, Harry, et éviter les pièces. Elle se déplace d'une case à la fois. Tu vas devoir forcer les pièces à s'affronter pour arriver de l'autre côté en un seul morceau. Je sais absolument pas jouer aux Maintenant, suffit échecs. pour commencer la partie. Oh, Harry, sois très très prudent, s'il te plaît. Ok. Il se tape sur la tronche là? Déplace l'indicateur à l'aide des touches fléchées. Je sais pas où je vais, hein. Je vais aller là. Là c'est bon, si tu es là. Pas du tout. Ok. Ok. On va recommencer du coup. Ça c'est good. Si je vais là, c'est bon. Ils vont se battre entre eux, non? Oh, je veux partir, moi, s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Allez, viens! Ok. Donnez-moi des grenouilles. Ah, on a récupéré de la vie. La sauvegarde. Et on continue. Oh, une épreuve de potion. La sortie est bloquée par un feu magique. On dirait que tu vas devoir choisir la bonne potion. Sois prudent, Harry. C'est peut-être du poison. On dirait que celle-ci pourrait nous aider à passer au travers des flammes. Regarde attentivement et ne quitte pas des yeux la bonne potion. Ok. Ensuite, fais le bon choix. Ouais, c'est pas dur.
celle-ci. Et c'est reparti. Oh, ça n'arrête pas de bouger. C'est bon, vous avez suivi. C'est celle-ci. Une nouvelle fois. Je suis avec mon doigt, évidemment, sur mon écran. Celle-ci. C'est pas la bonne ? Non, c'est celle-ci que je veux. Ouais, si, c'est bon. Trois fois, c'est bien, non ? Ok. Et celle-ci. Pas celle-ci? Si, c'est celle-ci. Encore? Merci Hermione. Tu dois retrouver Rogue. Moi, je vais retourner aider Ron. Bonne chance, Harry. Ok. Eh bien, écoutez, on va avancer. On va traverser ce feu. Donnez-moi une grenouille, s'il vous plaît. Parfait. On sent déjà un peu mieux. Prêt à affronter Quirrell et non Rogue. Mon dieu, mais quel scoop. Quelle révélation incroyable. Mais peut-être que Quirrell va surprendre Rogue. Hop. Hop. Et voilà, tout va bien. L'affrontement final. Je me demandais si vous alliez parvenir jusqu'ici, Potter. J'imagine que vous vous attendiez à voir quelqu'un d'autre, mais c'est bien moi, le peureux et bégayant professeur Quirrell. Vous êtes un peu trop curieux pour vivre bien longtemps, Potter. Oh, wesh. C'est censé être un Avada Kedavra, ça, non? C'est bon. Ok, là on est bon. Wesh. Pense pas des Avada Kedavra comme ça, toi. Eh non, tu l'auras pas. Wesh. Calme-toi, toi. T'es fou, hein. Lui, il a trop cru, hein. Nipendo.
vous en sortirez pas cette fois. Il m'a défoncé. Ouais, les grenouilles. Oh, tu me lances des Avada Kedavra et je meurs pas. Bon, tout va bien. Donnez-moi la pierre. Non. Laisse-moi lui parler face à face. Maître, vous n'avez pas assez de force. J'en ai assez pour ça. Il est super laid, hein. Le mur de flamme, le fameux. Ok. Ok. Mais là il va me défoncer en fait. Je peux pas l'attaquer en fait. C'est quoi ça? Je peux pas l'attaquer. Je peux pas l'attaquer. Vraiment je ne peux rien faire. Je peux rien faire, hein. Je peux absolument rien faire. Ah! Ok, d'accord. En lançant les flipendo sur le miroir, on peut permettre de... Ah, cours. Et merde. Ok. Ok, ok, on va recommencer. Déjà pour les piliers, il faut qu'ils soient bien dans l'axe du pilier. Ça, on a compris. Et du coup, le miroir peut permettre de lui mettre des coups dans sa tronche. Ok. Voilà. Premier coup. Voilà. Là, il vient sur celui-ci ou pas? Ah non. Vous voyez, là, c'était pas bon, par exemple. Là, ça va être bon, ça va pas être bon non plus. Il faut qu'il soit juste en face. Là, voilà. Voilà. Ça, là, il prend tout sur la gueule. Voilà. Là. On a compris le schéma, il est pas compliqué.
Et bien là maintenant. Voilà. Si on peut déjà lui envoyer quasiment la moitié de sa vie, c'est pas mal. Ah ouais, il n'y a plus de piliers? Ok. Ok. Là, il se balance et sort sur sa tronche. Ok, ça va, il s'attaque tout seul. Vas-y. Voilà. Ouais, en fait, là, c'est pas compliqué. Hein. On le laisse comme ça, il va nous attaquer, évidemment. Et après, il va se remettre là-bas, il va nous réattaquer. Voilà. Dumbledore lui sourit. Ce qui s'est passé dans les sous-sols du château entre Quirrell et toi est un secret absolu. Par conséquent, toute l'école est au courant. La pierre avait été détruite, mais Harry redoutait que Lord Voldemort ne trouvât d'autres moyens de revenir à la vie. Dumbledore acquiesça, partageant ses craintes. Toutefois, Harry, même si tous nos efforts ne pouvaient que retarder le retour de Voldemort, le temps qu'il aurait perdu lui manquerait peut-être pour reprendre le pouvoir, lui dit-il. Alors la pierre n'existe plus ? Demanda Ron. Harry acquiesça, l'air soulagé. Ron sortit alors de sa robe une carte des sorcières et sorciers célèbres et la tendit à Harry. Tu as toute la collection à présent, Harry, s'exclama Ron. Interloqué, Harry ne répondit rien. Ce soir-là, Harry quitta son lit pour se rendre au banquet de fin d'année. La grande salle était décorée aux couleurs vert et argent des Serpentards pour célébrer leur victoire dans la Coupe des Quatre Maisons. Lorsque Harry fit son entrée, il y eut soudain le silence. Il s'assit entre Ron et Hermione et fit semblant de ne pas remarquer que tout le monde se levait pour mieux le voir. La coupe des quatre maisons, proclama Dumbledore, revient à celle qui a totalisé le plus de points. Serpentard est en tête, si l'on en croit le décompte actuel. Un tonnerre d'applaudissements, d'acclamations et de trépignements explosa à la table des Serpentards. Cependant, les interrompit Dumbledore, pour le sang-froid et le courage exceptionnel qu'a manifesté M. Harry Potter, je donne à Gryffondor 60 points. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva de la table de Harry. Gryffondor passait en tête du décompte des points et emportait la coupe des quatre maisons. Ce fut la plus belle soirée que Harry eût jamais connue. Il était encore plus heureux que le jour où il avait gagné le match de Quidditch, plus heureux que le soir de Noël, plus heureux que lorsqu'il avait vaincu le troll. Il garderait à jamais le souvenir de ces précieux instants. Thank you.
Elle était super nulle cette blague. Bon bah écoutez, voilà. On a toutes les cartes. Et je sais pas ce qu'on fait maintenant. J'ai l'impression qu'on a fini. Hein. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette petite aventure. C'est voilà, c'était plutôt sympa. C'était très court hein, comme let's play. Je m'en doutais un petit peu, hein, mais c'était plutôt marrant de revenir aux sources sur un jeu que j'ai fait il y a très longtemps. Tiens, c'est Jérémy Saul, le compositeur. C'est le même que le compositeur de Skyrim, de Guild Wars 2. Peut-être pour ça qu'il y a quelques ressemblances et quelques intonations fantastique, fantasy, un petit peu, voilà, un peu medieval fantasy, que j'aime beaucoup. Jérémy Saul, écoutez l'album de toute la BO de Guild Wars 2, qui est vraiment, mais vraiment magnifique, je trouve. Et donc, c'est lui qui a composé ça. Voilà, donc, graphisme, ben, ces gens-là, on les remercie pas, hein. Non, bien sûr que si. C'est, voilà, c'est des graphismes. On rappelle, hein, c'est sorti en 2001. C'est très très vieux. Je sais pas s'il y avait beaucoup de jeux qui étaient mieux que ça en 2001. Je pense pas. Mais voilà. Moi, c'était toujours un plaisir de rejouer à ce jeu. Je trouvais ça plutôt intéressant. Je vais vous laisser avec le générique de fin. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce let's play vous a plu. Je vais peut-être faire la suite, la chambre des secrets, je ne sais pas. En tout cas, moi j'avais le 4 sur PlayStation 2. J'ai joué, c'était vraiment vraiment sympa, j'avais bien kiffé. Mais voilà, on peut peut-être changer de jeu pour le moment et puis faire autre chose. Il va falloir que je récupère ma PS3 parce que j'ai plein de let's play sur PS3 à faire. On verra un petit peu. Voilà, donc ben j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et en attendant, moi je vous dis à très vite, portez-vous bien et stay online. Allez, bye bye tout le monde.